Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 4 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, verbe d'amour. Comprendre, accepter, tolérer, écouter, changer. Faire confiance, sourire, recommencer, expliquer, donner, pardonner, eh bien, c'est aimer. Belle philosophie pour ce matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé honorer sans condition. Honorer sans condition, aimer sans condition. Voilà tout un programme, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'habitude de vous comparer aux autres. Et à la limite, c'est un phénomène qui touche tout le monde, n'est-ce pas? Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres, parce que vous, vous êtes unique, et les autres aussi, n'est-ce pas? Et cette comparaison, eh bien, elle vient de votre ego, encore une fois, qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. Alors que l'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Eh bien, cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Eh bien, cette carte vous invite vraiment à modifier cette habitude et à vous connecter davantage, eh bien, à votre âme, plutôt qu'à votre ego. Ah, celui-là quand même, hein, afin de porter votre attention, eh bien, sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques, oui, uniques et riches. Et honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre, parce que nous avons toutes et tous un côté ombre, ou que ça soit notre côté lumière. Apprenez à vous aimer, c'est primordial, et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais tout simplement pour être vrai. Le parfait n'existe pas, nous serions des anges, encore une fois. Mais essayez d'être le mieux possible. On fait de son mieux ici sur Terre. Petit rituel de l'honneur. Eh bien, pendant 20 jours, non, pendant 21 jours, voilà, pendant 21 jours de suite, notez dans un cahier trois éléments que vous aimez, que vous valorisez et que vous honorez de vous. Vous allez bien les trouver, hein? Trouvez trois éléments différents par jour afin
eh bien, d'obtenir à la fin des 21 jours 63 éléments différents que vous reconnaissez comme étant honorables en vous. Soyez vraiment précis, précise et permettez-vous d'honorer autant votre corps physique que votre intérieur. Prenez plaisir, n'est-ce pas, à vous honorer et à vous aimer chaque jour un peu plus. En deux, eh bien, notez la progression que vous avez vécue dans votre vie et ses différentes sphères, c'est-à-dire personnelle, professionnelle, relationnelle, de couple, financière, de la santé et spirituelle. Et puis, notez la progression dans les 12 derniers mois ou depuis les 3, 5 ou 10 dernières années. Prenez conscience. Oui, vraiment prenez conscience du chemin que vous avez parcouru. Et évidemment, honorez votre progression. Et en 3, prenez ensuite conscience. Prenez ensuite conscience des sphères dans lesquelles vous aimeriez progresser davantage et réaliser, eh bien, des actions concrètes dès maintenant pour améliorer les sphères en question. Beau message et bon rituel, n'est-ce pas? Je termine avec la pensée positive et aujourd'hui j'ai pigé « Je chasse toute inquiétude ». Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus. Mon cœur, eh bien, devient léger et empli de joie. Je vous souhaite une lumineuse journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.